Contre un Laune, Silver Lining, ça se passe à Marrakech dans sa version une cage dorée. Alors, pour éliminer nos trois cibles, nous allons commencer au parking du consulat équipé de pièces de monnaie, brouilleur à usage unique. On va se mettre au niveau du consulat premier étage une autre série de pièces de monnaie, parce que je pense qu'on va en avoir beaucoup besoin. Le pistolet, le costume Requiem pour le style, et c'est parti. On va aller éliminer la cible de l'extérieur. À l'extérieur, c'est bon. Attendez bien loin parce que ça glitch au niveau des textures des murs. Ça arrive à me voir alors que je suis derrière le mur. Next. Attention, une civile. Attendez qu'elle s'en aille. Diversion, ça passe. Attention à ce garde-là. Évite d'attirer son attention. Ici, on utilise un brouilleur. Pied de biche. Puis la molette. Ça peut servir. Ici, policier. Il regarde son collègue. Dès qu'il va regarder en face, on passe. C'est là. Histoire de ne pas être détecté. Garde avec nous. Pas trop envie qu'il s'en aille. Attendre que l'autre policier. S'en aille. Pec. Petit changement de costume. Crac. De deux, il nous en reste plus qu'une. Alors, par contre, elle est assez balèze à aller chercher. Tenter une ruse.
peut bien fonctionner comme ça peut être galère. C'est déclencher l'alarme incendie pour déloger. Bon, en fait, c'est notre deuxième essai. Ça n'a pas été concluant. Notre cible fait comme tout à l'heure, mais malheureusement elle est restée campée très très près. Par contre, elle a l'air de s'enfoncer beaucoup plus vers nous. Donc ça, c'est très bon signe. Il peut rester là, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer plusieurs fois jusqu'à temps que il se mette là où vous voulez. Là d'ailleurs, il est très très bien. On peut continuer, on peut s'arrêter aussi. On va attendre que l'état d'alerte s'arrête. Ils commencent à ranger leurs pétards. On va maintenir gentiment notre homme. Hey. Par contre, pourquoi il y a un policier là qui est resté? C'est très marrant ça. Hey, what's your problem, sir? That's okay, just be careful. Hey, that belongs to you. Ça doit être une conséquence de l'alarme et de l'élimination. Hey. De policiers. C'est un peu dommage, on n'était pas obligé de d'utiliser le coup de la pièce comme ça. Ah. Allez. Une partie compliquée, chiante. Non, 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 toi tu restes. Ah, puis alors l'autre il reste, lui il est. If you were a hot latex clad nun, I would say what the fuck. But you are not, so cut it out now. Huh? Hey, that belongs to you, so bring it with you. Avec le bol que j'ai, il va réussir à le voir même si je le neutralise. Hey, mister, if you don't pick that up, I'm gonna take it. Can't have stuff lying around. That's okay, just be careful. Ah. Ensuite, on va neutraliser lui. Lui aussi. Avec notre costume. La bonne cible, crac, on a un costume, et maintenant on file. Pour pas sûr, on va détruire les caméras. Faire repérer.
les clés. Really? Qu'est-ce qui peut me repérer là? Putain, il y en a partout. Attention mon collègue. Au-delà de la difficulté de ce contraste qui a vraiment été pénible, c'est le glitch des murs, des corps qui se font voir à travers les murs, ça c'est vraiment très 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 agaçant. Allez, on pique cette voiture et on s'en va.